l'invitation de Cap 48, je me rends à l'école Sainte-Marie pour rencontrer la chorale des sourds et malentendants qui est en train de répéter dans une salle sans savoir que je viens la chanson qu'on va chanter à Cap 48. Je suis rentrée comme une petite souris sur la pointe des pieds et c'était vraiment... Ouais, c'était un moment assez émouvant, quoi. Ils vivent leur chanson à fond, quoi. Et tu le ressens immédiatement, en fait. I sink into an ocean of madness, drink to my lonely... Le fait de voir Tiff dans la salle, ça m'a donné des émotions incroyables parce que je la connaissais déjà un peu avant. Je voyais sur Google, sur YouTube. Et puis la voir en face devant moi, ça m'a impressionnée et j'étais super contente. Le fait de voir Tiff Barrow devant moi, c'est un moment magique. Cap 48 m'offre une expérience humaine magnifique et qui, je sais, déjà sera inoubliable pour moi. Évidemment que quand on me propose de chanter pour Cap 48, je dis oui sans hésiter. Mais en plus, quand on me propose une opportunité pareille de pouvoir faire une chanson avec des enfants en langue des signes, je plonge, quoi.